Parmi les chiffres à retenir, parlons de l'augmentation la plus forte. Elle concerne les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Il y a eu 5253 faits en 2023. Cela représente une évolution de 11,8%. 40% de ces atteintes concernent des violences intrafamiliales, une augmentation de 13,22%, un chiffre alarmant qui s'explique en partie par la libération de la parole. Cette libération de la parole, eh bien, amène plus d'affaires et qui se solde par des élucidations, hein, avec une augmentation aussi des affaires poursuivables en la matière, ce qui nous permet d'apporter ensuite des réponses au plus près des situations dans la filière de l'urgence, comparution immédiate, convocation par procès-verbal avec un contrôle judiciaire et dans tous les dispositifs de protection dont on a pu parler, les ordonnances de protection, les téléphones grave danger ou les bracelets anti-rapprochement. Autre chiffre noir, la délinquance sur les routes. En Vendée, il y a eu 57 tués sur les routes l'année passée. C'est 11,76% de plus qu'en 2022. Et l'année 2024 commence mal. Rien qu'en janvier, 8 personnes ont déjà trouvé la mort sur les routes. Le préfet a donc décidé de mobiliser les forces du département pour comprendre ce fléau et faire de la prévention. Alors, on va travailler dans tous les domaines. Donc, je vais mobiliser l'ensemble des acteurs la semaine prochaine. Donc les auto-écoles, nos inspecteurs de sécurité routière, les collectivités locales, même si la voirie ici est très très correcte. Peut-être d'ailleurs, c'est parce qu'il y a trop de routes en bon état et qu'elles peuvent inciter à la vitesse. On va travailler avec, je vous dis, le milieu médical, on va travailler avec les associations, les milieux vélos, les cyclistes, les motos. On va soutenir des actions que certains clubs de motos nous ont proposé, donc ça va être une action tous azimuts. Le trafic de stupéfiants, lui, est en hausse de 16,41%. Des conséquences multiples peuvent en découler, des accidents, des vols ou encore des violences. Ce fléau, qui fait partie des priorités ministérielles, est une réalité sur le terrain. Pour nous, concrètement, sur l'année 2023, ce sont 13 gros trafics de stupéfiants que nous avons démantelés sur l'ensemble du département de la Vendée. Enfin, je parle pour la zone gendarmerie, donc hors La Roche et les Sables-d'Olonne, ce qui est un chiffre qui n'est pas neutre. Et de même que les usages de stupéfiants ont été encore plus réprimés, puisqu'on en est à plus de 750 sur l'année, ce qui est une hausse de plus de 200 par rapport à l'année 2022. Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, des opérations Place Nette vont avoir lieu sur le département très prochainement. Des renforts nationaux seront envoyés sur une zone bien définie pour effectuer des contrôles pendant plusieurs jours.